Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Simon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Eh bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on n'est pas optimisé, ce qu'on peut faire quand on sait jouer à Dofus, ce qu'on peut faire quand on sait se débrouiller avec ce qu'on a. C'est vraiment énorme, franchement. Je suis vraiment content de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc voilà, j'étais avec un ami. J'étais avec un ami. J'étais avec un ami, voilà. On dropait sur les Murulor, les Wolves de Murulor. Ceux qui fréquentent souvent la zone Free 3 doivent reconnaître. Ça vaut assez cher. Donc voilà, on en dropait. Puis ensuite, il est parti manger. Ouais, voilà. Il y a AFK, il est parti manger. Puis voilà. Et moi, je me disais, est-ce que je peux les gérer même si je suis pas opti et même si je n'ai pas de team? Puis il se trouve que oui. Là j'ai fait, non c'est bon, il se trouve que oui. Donc je vous montre la preuve. Ça c'est Mansourdide. Ça c'est deux Mansourdides. Je viens de tuer un, puis je suis en train d'en tuer un autre. C'est juste pour vous montrer ça, la preuve qu'il y avait un autre. On va voir ça à la fin de la vidéo si je gère, et je pense que ça sera le cas bien sûr. Je vois pas pourquoi on gérait pas rendu là, hein. Alors faut savoir que sur ces mobs il n'y a pas grand chose à drop d'intéressant. Non, 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 ça c'est une mauvaise idée. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque vous êtes en, comment ça s'appelle, pas diagonale, mais en ligne avec eux, vous les tapez, bien vous prenez dans la gueule exactement ce que vous avez tapé. Et puis voilà. N'est-ce pas fabuleux ça les gars? Avec un chevalier, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien voilà ce qu'on peut faire avec un chevalier. Ça je tenterai pas parce que les Murulor, les mobs les intéressants pour le drop dans cette zone. Voilà, lui me croyait pas au début que j'allais. J'ai dit mat combat. Il m'a dit tu veux que je te mate mourir ou quoi. Après je lui ai dit ok, ben tu penses, je lui ai dit tu penses que je gère pas. Et puis voilà. Ah, franchement, je suis étonné. Je croyais pas que j'allais gérer. En gros, je cherchais un groupe parce que le mec, comme je vous disais, il est parti manger. Je cherchais un groupe pour que quand il revient, on le fasse. Mais je voulais sortir par là et boum, je me fais aggro. Et je vous promets, les gars, au début, j'allais vraiment abandonner. Mais j'ai vu qu'ils étaient deux. La map était parfaite et les mobs étaient pas si forts que ça. Et bien voilà. Ouais, t'as du bon retrait. What the fuck? Pourquoi T-Rex? Y'a rien là, t'es ouf toi. Bah ouf, comment ça y'a rien là? Eh, je suis niveau, attends. Je suis niveau 185. Full Sasa. Avec un chevalier tout simplement qui a le même niveau que moi, c'est-à-dire 185. Contre deux mob free 3. 209 et 206. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo c'était vraiment vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je vous invite d'aller essayer, je vous invite d'aller essayer. Peut-être que je pense que vous devrez gérer parce que moi en full Sasa, j'ai géré. D'après moi, vous devez gérer. Je vois pas pourquoi vous ne devez pas gérer. De toute façon, ça coûte rien d'essayer à part quelques énergies si vous perdez. Voilà. Donc moi, d'après moi, franchement les classes qui peuvent facilement soloter ces genres de zones avec, bien sûr faut prendre des petits groupes, ça devrait être les Nunu, les Sadidas ça devrait passer crème, les Sadidas ça devrait passer crème. Ensuite il pourrait avoir les Feka peut-être, ouais voilà les Feka sûrement avec le glyphe, leur glyphe pardon, etc. Ensuite peut-être je dis bien peut-être les héliotropes. Il y en a plusieurs, ça dépend vraiment de vos stuff, etc. C'est ça que tu vas avoir du bon public. Il n'y a rien là, une full red, gère deux manas avec un multiman. Ouais. Et puis je suis pas full retrait. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et à laisser un commentaire. Allez, gardez la forme les amis. Tchuss.